Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage nos addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? D'ailleurs, en parlant de plaisir, là on est à fond dedans. C'est parti. Comme je te disais, j'ai la joie, le bonheur, l'excitation, aussi la gratitude d'avoir reçu un colis de la part d'un d'entre vous. Et c'est juste waouh, clairement. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a... Enfin, je sais un peu, mais pas entièrement ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai très 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 hâte de l'ouvrir avec toi, de te faire partager ce moment de découverte. Avant toute chose, j'aimerais remercier vraiment du fond du cœur la personne qui m'a envoyé ce colis. C'est Nat Kawai. Nat Kawai, c'est une très 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 jolie rencontre. Je suis hyper reconnaissant d'avoir un jour osé poster quelque chose sur Instagram et allumer ma caméra en public sous les addictions pour avoir fait ce genre de rencontre virtuelle. Nat Kawai, c'est tout simplement un exemple pour moi de force, de courage. Quand tu veux quelque chose, tu l'as vraiment. J'ai pas de mots pour te remercier vraiment de toute ton amitié, de toute ta confiance, de tout ton soutien depuis bientôt 3 ans maintenant. Je suis extrêmement touché. Nat Kawai, c'est aussi un passionné de beauté, de make-up, de skincare, etc., etc., etc. Et récemment, le coquin a fait un tri dans toutes ses palettes et il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Voilà, je vais m'en débarrasser, est-ce que tu en veux certaines, etc., etc., etc. » Au début, j'avais dit « Je suis gêné. Non, pourquoi ?» Et puis après, je me suis dit « Bah écoute, oui. » et donc du coup voilà, normalement il y a des palettes dedans. Je sais pas s'il y a d'autres choses ou quoi, mais je te propose de découvrir tout ça. Et bon, encore une fois, merci du fond du cœur pour ce très 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 gros colis. Tu m'as dit que c'était tout petit, mais non, c'est 2 fois ma tête, tu vois. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci encore à toi du fond du cœur. Et je te propose, toi YouTube, de découvrir tout ceci. Je me suis muni, oui parce qu'on est prévoyant ici, de mon couteau pour ouvrir le colis. Let's go! C'est ouvert, je sais pas si tu vois quelque chose. Voilà, bon bah le suspense est à son comble. Le suspense est intenable. Ce que tu vois, bon, c'est très très bien emballé. Oh mais c'est trop bien emballé, il y a plein de protection. Ok, j'aurais dû me munir d'un sac. Mais c'est beaucoup trop mignon ce que tu m'as fait, toutes ces couleurs et tout. Non mais oh là là, attends. Oh là là. Non mais il n'y a pas que des palettes. Coquin. Je vais chercher un sac pour mettre tout ça et je reviens. Peut-être prendre des mouchoirs aussi, hein. Ça peut être judicieux. Ça peut être judicieux d'avoir des mouchoirs et des ciseaux. Bon bah à tout de suite. Alors, je n'ai pas pris de sac poubelle parce que je compte garder tout ça. Ça peut toujours servir, le sais-tu? Oui, 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 oui. Ah, un enfant à Noël, les gars. Clairement. Là, on est le matin du 25 décembre et j'ouvre mes cadeaux, quoi. Ah, je crois qu'il y a une carte aussi. Oh, il va y avoir de l'émotion. YouTube, va y avoir de l'émotion. C'est une carte ou c'est un cheat mask? C'est un mot. Je m'épuise. Voilà, voilà. Tout petit collet qui disait. On va commencer par le commencement, par le mot. Un très 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 joli petit chat kawaii. Est-ce que je suis bien cadré? Alors, cher Nico, je crois que c'est moi. Je t'envoie ce petit colis pour te remercier de tout ce que tu fais. Tu es un véritable rayon de soleil et une personne très inspirante. Ces derniers temps, la vie... Oh non. Ces derniers temps, la vie ne t'a pas épargné et pourtant tu n'as jamais baissé les bras. Je t'envoie tout mon soutien à Max de Bonnes Ondes et te serre fort dans mes bras à distance. Nat. Tout est neuf et tout est sauvage. Tu connais l'humour pour dédramatiser une situation où tu sens que tu perds le contrôle. Tout est neuf sauf les palettes qui ont très peu servi. Déjà, à la base, tu m'avais dit les palettes. J'avais dit, bon, déjà, je trouve que c'est beaucoup parce que, quoi. Je suis toujours gêné quand on veut me faire des cadeaux ou quoi, quand on veut m'envoyer quelque chose. C'est vrai que la plupart du temps, en tout cas jusqu'à présent, je disais non. Je risque de prendre goût à cette histoire. C'est pas bien. Écoute, je commence tout de suite par ce petit produit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un... J'ai l'impression de reconnaître un petit peu... La typographie Anastasia Beverly Hills. Non, pas du tout, c'est Too Faced. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une base à paupières. Putain.
Déjà le premier, je suis à Yem Enchanté. Oui, encore. C'est une base à paupières. Trop bien. Anti-crease eyeshadow primer. C'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. 24 heures et plus. Donc la Shadow Insurance comme ça, c'est parfait. Parce que du coup, je n'ai pas de base à paupières. Donc ça va être parfait pour le make-up à venir. Il va y avoir des choses là, je pense. Trop bien, merci. Merci beaucoup. C'est l'un des premiers produits Too Faced que j'ai. Donc trop content. Qui viennent de toi en plus... Merci beaucoup. Dis-moi en commentaire si tu le connais, si tu l'aimes bien, etc., etc. Moi, je suis très, très curieux de le tester. Trop, trop bien. Ensuite, il y a quelque chose qui m'attire là, tout de suite, YouTube. Évidemment, un gel douche d'op, au parfum, au chocolat. Chocolat. On remarquera le petit scotch dessus, la précision, le soin apporté à l'emballage pour pas que ça coule. Bah voilà, si tu me connais, tu sais que j'adore les gels douches. Les gels douches, c'est ma vie. Si je pouvais en avoir... Un demi-million, j'en aurai un demi-million. Là, on est sur le gel douche d'op que je connais aussi. La collection Douceur d'enfance au parfum brownie au chocolat. Tu sais quoi, celui-là, je vais le garder pour le début de l'automne. Ça va être, mais au top. J'aime beaucoup les gels douche d'op. À part ça, je trouve qu'ils hydratent bien la peau. Ils sont très agréables. En termes de composition, il y en a qui vont hurler derrière leur écran en disant... Mais voilà, moi j'aime beaucoup, l'odeur est tout à fait agréable, très 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 gourmande. Par contre, faut pas être au régime quand tu utilises ce genre de gel douche, sinon c'est la frustration assurée, vois-tu? Merci du fond du cœur, merci, merci, merci. On continue avec deux tubes de forme tubale, donc tu entends peut-être le bruit de l'extérieur, mais non, c'est bon, là on a ouvert la fenêtre. Parce que y en a marre de fondre à chaque fois que j'allume ma ring light, n'est-ce pas? Et de ressembler à quelqu'un qui dégouline devant toi, YouTube. Non, j'en ai marre. Alors, nous avons un quick fix de Makeup Revolution. Universal Tone, Just Shine. Oh, c'est un primer, c'est une base. Très bien, je la connaissais pas non plus. Il me semble pas que j'avais déjà vu celle-là. Donc la quick fix, comme ceci. Je ne sais pas, je ne vois rien. Je suis à moitié mieux si ça fait le focus ou pas. Très très bien, un primer en fait. Mais très bien. Pour réduire la brillance et smousser la peau. Trop bien. Bah écoute, en plus, c'est un grand contenant. C'est quoi, un 30 ml? Nickel, merci beaucoup. Je suis trop gâtée, oh là là. Là, c'est quoi ensuite? Je suis trop gâtée, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a ensuite. De chez Becca? Mais what? Je crois d'ailleurs que la marque n'existe plus, c'est ça, il me semble. C'est aussi un primer. Mais c'est plus un côté pour les photos, tu vois, un truc lumineux. Je comprends bien. Base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. Mais écoute, je t'en dirai aussi des nouvelles. Donc c'est chez Becca. Il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que la marque n'existe plus. En tout cas en France, il me semble. Mais c'est le premier produit Becca que j'ai. Je suis très 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 content encore une fois qu'il vienne de toi. Merci beaucoup. Je me réjouis. Non mais là, YouTube, tu seras obligé. Tu auras des crash test make-up. Là, c'est obligé. Voilà, le mercredi ou le vendredi, on ne sait pas, mais il y aura vraiment de plus en plus de make-up sur ma chaîne. Trop bien, je vais ressembler à rien, parce que je ne suis loin d'être un pro, mais trop bien, merci. Ça sent le pinceau. On n'a jamais assez de pinceau en plus, donc ça sent le pinceau, à moins que ce soit un crayon. C'est possible aussi. Je pencherai plus pour un pinceau. Ah non, pas du tout, oh mais c'est encore... Mais c'est trop bien. Alors, ce sont des baguettes donc pour manger. Et Nazcawa, comme son pseudo l'indique, est archi fan de toute la culture asiatique, japonaise surtout, tout ce qui est justement kawaii. Et là, des baguettes, mais trop bien. En plus, moi j'adore la nourriture asiatique. Tout ce qui est effectivement soit chinois, soit thaï, soit vietnamien, cambodgien, japonais. J'adore manger. J'adore la nourriture asiatique. Et des baguettes, mais en plus elles sont très 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 jolies. J'aimerais que tu les vois un petit peu mieux, YouTube, comme ceci. Oh, elles sont trop belles, merci beaucoup. C'est trop trop bien. Attends, parce que I don't speak Japanese. Wakasao Bama, Ashi Kaido. Voilà. Les japonais en sueur. Merci beaucoup, c'est trop trop cool, je suis trop content. Ensuite, celui-là de forme carrée. Il me dit oui, il n'y a pas assez de choses à l'intérieur pour que tu puisses faire une vidéo. C'est me sous-estimer. C'est le bavard. Ne me sous-estime pas. Alors, qu'avons-nous? Un carton. Avec une surprise, du coup, à l'intérieur. Oh, c'est beaucoup trop beau. C'est hyper délicat, c'est magnifique. Et du coup, je pense que ça va avec les baguettes. C'est un bol comme ceci. Très, très, très beau. J'imagine qu'il vient aussi d'une boutique où ils vendent effectivement
où ils vendent effectivement des spécialités ou des objets japonais. C'est super joli avec ces fleurs. C'est des fleurs de cerisier d'ailleurs, donc des fleurs de sakura. Pour mettre effectivement la petite portion de riz ou les condiments pour les sushis ou quoi. Même en décoration, moi je n'ai peur de rien. C'est super joli. Je suis très très touché, merci beaucoup. Il est vraiment magnifique. Avec les fleurs de sakura comme ça, c'est vraiment de toute beauté. Merci beaucoup. C'est super beau. Ah, je suis vraiment trop gâté. Je suis vraiment trop gâté. Mais c'est pas fini. C'est ça le pire. C'est que ça n'est pas fini. Alors là, je pense que c'est un lot de 3 palettes. Je te dis ça tout de suite. C'est effectivement 3 palettes, dont une dont je ne connais pas la marque. C'est une marque, encore une fois, du coup. Une marque japonaise, j'imagine. C'est tout marqué en japonais, donc je ne saurais te dire qu'est-ce que c'est. Ah non, c'est très beau. C'est une petite palette de nude, tout à fait sympa, dans les teintes un petit peu irisées, marronnées, etc. Il y a 3 irisés et un mat, mais mat crémeux, ça a l'air... Je ne connais pas du tout cette marque, c'est une très jolie petite palette pour un petit make-up tout simple, entre guillemets all day make-up. Très, très, très sympa. Le format, très pratique aussi. Trop bien. Alors ensuite, dans ce lot de 3, il y a 2 petites palettes de chez Huda Beauty. Qui ne connaît pas cette marque, clairement. Encore une fois, je n'ai jamais eu de produit pour l'instant Huda Beauty, donc je suis trop content que tu sois un petit peu mon parrain Huda Beauty. On a la Ruby Obsession. Oh, elle est très très belle. Qui est, bah, comme son nom l'indique, hein, plutôt des teintes rouges. Donc tu as encore une fois du mat, de l'irisé, des paillettes, etc. Très 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 jolie. Ça fait le reflet, pardon. Très jolie paillette. Palette. J'aime beaucoup Ruby Obsession de Huda, cousine Huda, et on a l'améthyste qui a l'air très jolie aussi. J'imagine que dedans c'est très violet. Waouh, ah non, c'est sublime. C'est canon. Celle-ci d'ailleurs, tu l'as pas utilisée, je crois. Hein. Clairement, il n'y a aucune marque, etc. C'est dommage. Regarde-moi YouTube comme elle est jolie cette palette. Donc, encore une fois, on est sur des irisés, des paillettes, des mats. 3, 6, 9, 9 fards. Je sais pas la contenance, mais on n'est pas là pour ça. Je suis super. C'est trop bien. Bon, la barre, elle est haute, là. Là, si genre, j'arrive pas à te faire un petit peu des trucs sympas, je vais m'entraîner, mais tu vas les revoir très, très vite. Je suis trop content. Ensuite, oh là là, c'est bien plein. Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a des flacons. Oh, Rare Beauty. Donc, c'est la marque de Selena, il me semble. Oui, c'est ça. Un petit, on va dire, sorte d'échantillon avec 4 teintes de lipstick. Ah non, c'est du blush. Ah, en fait, non, c'est du blush. Tu es bête. J'ai cru que c'était des lipsticks. Mais oui, c'est du blush. Ils sont très, très jolis. Donc, tu verras pas grand-chose. Mais c'est des teintes un peu rosées, cuivrées, etc. Bah, très sympa. Écoute, on va essayer ça aussi. Je pense que ça, il est possible que l'époux le teste. Parce que bah, il adore cette marque-là. Et bah, comme ça, il y a aussi quelque chose pour lui. Donc, c'est top. C'est un blush liquide. Absolument. Et un enlumineur. Voilà. Je découvre. Je suis perdu. Tu as 2 blushs et 2 highlights. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Mon amour, t'as un cadeau. Il a entendu. Ensuite, ah non, mais ça, on en a jamais assez. Mais là, entre jamais assez et trop. Et il m'a dit que genre, il n'y avait pas assez de choses dans le colis, que je pourrais pas en faire une vidéo. YouTube. 1, 2, 3, 4, 5... Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 9 petits flacons de gel hydroalcoolique. Tu sais, les gels nettoyants pour les mains. Merci Andy. Mais c'est trop bien. J'en mets partout. On a le Glitter Fever, le Unicorn, le Space Berries, oh là là, le Flower Power, non mais le Namasté qui sent très très bon, je le connais déjà, le Namasté, j'adore. Le Frozen, donc à mon avis ça doit être un petit peu frais. Oui, oui, I speak English. On a le Stardust, non mais en fait j'ai tout l'assortiment. Je peux ouvrir une boutique, merci Andy, Into the Wild, très prometteur. Et enfin le dernier petit rose, Disco Dust, oh, alors on adore. Alors clairement, écoute, là je vais avoir les mains propres. De ouf. C'est beaucoup trop, mais t'es complètement crazy, ma parole, je te jure. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons un petit carré comme ceci. C'est un sugar... comment ça s'appelle? Un lip scrub. Un gommage pour les lèvres. De la marque, je ne connais pas cette... Ah bah c'est Make Up Revolution, je crois. C'est très très... Oh, le packaging est très sympa avec la lèvre en... Bon bah c'est neuf, hein, clairement. C'est encore tout emballé sous blister, etc. Tu vois, avec la lèvre comme ceci, en relief en fait,
très 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 sympa. Je crois que c'est au watermelon, donc à la pastèque. Oui, watermelon heaven. Gommage lèvres au sucre. Je vais m'empresser de finir celui que j'ai déjà commencé, qui est de Make Up Revolution aussi, qui était à la citrouille, qui m'avait été envoyé, il me semble, par Machatoum. Et bah, ensuite, ça va être celui-là. Franchement, j'aime beaucoup. Top. Trop bien. Je vais sentir bon, avoir les mains propres, avoir un make-up on fleek et les lèvres toutes douces. Merci beaucoup. Ensuite, là, bah, je pense qu'on est sur des palettes. Let's go. Comme ça, à vue de nez, je te dirais qu'il y en a en tout cas une de Make-up Revolution, mais peut-être que je me trompe. Alors, pas du tout. Je me suis complètement trompé. Là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il m'a offert deux palettes de chez Morphe. La 3503 Fierce by Nature et la Morphe X James Charles. Ah, mais... découvrons. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Donc là, clairement, on est sur des couleurs, des couleurs, des couleurs. Aussi un mélange de mat, d'irisé et de paillettes. Oh, c'est sublime. C'est très, très, très beau. Ouais. Et sur le petit blister, là, tu as les... enfin, le petit plastique, tu as le nom des phares. M'a séché. J'ai plus rien à dire. C'est aussi mon premier produit Morphe. Écoute, si je peux parler ainsi, je suis en dépuce lâche actuellement. Je sais pas quoi dire, je suis hyper gênée. En vrai, super, merci. La 3503, donc comme je te disais, de Morphe aussi, de Fierce by Nature. Il y en a qui disent Morphe, d'autres Morphe, moi je dis Morphe. Voilà. 3503, Fierce by Nature. Je pense que c'est des couleurs très très chaudes. Let me see. Waouh. On retrouve toujours le même print. Alors par contre, il n'y a pas de miroir dedans. Moi, c'est pas grave. Si, sur la première, il y avait un miroir. Sur la première, il y a un miroir, absolument. Sur celle-ci, pas de miroir. Mais clairement, moi, ça m'est égal parce que c'est dans la salle de bain. On retrouve le petit plastique avec le nom des phares. Mais alors, il y a des verres sublimes. En fait, tout est sublime. Le pailleté, là, un petit peu ici. Peut-être que tu verras pas très bien avec la caméra, mais celui-là est sublime. Les verres sont magnifiques. Tous ces ocres, orangés, roses. C'est canon. Est-ce que je vais swatcher un petit peu, par exemple, le rose, à voir? Ah non, mais alors, en termes de pigmentation, laisse-moi te dire. En termes de pigmentation, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose de... Déjà, une très jolie découverte, parce que, comme je te disais, je ne connaissais pas du tout... Enfin, pas du tout. Si, je connais deux noms. Mais je n'avais jamais essayé quelconque produit Morphe, donc... celle-là, tout est beau. Mais en termes de pigmentation, a priori... On est sur quelque chose qui tabasse pas mal. On arrive normalement au dernier paquet qui est composé de 4 surprises, 4 cadeaux. C'est encore une fois très bien emballé, donc je pense que c'est de la casse. Enfin, je pense que ça se casse. Et à mon avis, ça va avec les baguettes et le petit bol. Oh, c'est ça. Oh non, c'est beaucoup trop cute. C'est un autre petit bol, plutôt jaune cette fois, avec des petites fleurs de sakura encore à l'intérieur. Trop trop mignon. Non mais de toute façon, les japonais, tout ce qui est culture japonaise, moi je suis... Je dirais pas que c'est un rêve d'y aller, parce que j'ai peur d'avoir peur. Je comprends pas la langue, tout ça. Mais si, c'est quand même un endroit que j'aimerais visiter un jour. Ils ont une telle élégance et un tel raffinement dans beaucoup de choses. Et là, les arts de la table, moi je suis archi fan de toute façon des arts de la table. Donc, donc on a le même, mais plutôt blanc avec un petit liseré. Comme des petits lampions, mais qui en fait sont des petites fleurs. C'est trop 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 joli pour mettre la petite sauce soja, le petit gingembre ou les choses comme ça. On a ensuite ce carton, ça peut être une assiette, éventuellement une assiette. Une petite soucoupe, c'est magnifique, c'est très très beau. Et là on est, bon alors c'est japonais, mais là made in Japan, c'est marqué derrière, mais là on est clairement dans la vibe, pas swatch, mais dans la vibe Grèce aussi, avec ce bleu là qui est très très beau. Je sais dire si c'est un oiseau, ça a l'air d'être un oiseau, qu'en penses-tu YouTube, dans ce sens là, ça a l'air d'être un oiseau, c'est super mignon. Une petite soucoupe, bah, pour mettre le sachet de thé par exemple, pourquoi pas, ou effectivement les condiments ou quoi, c'est, ou juste en décoration. J'adore, je n'ai plus de mots. Et là, le dernier carton, enfin je vais refaire un tour du carton parce que je m'en voudrais d'avoir oublié des choses, c'est la deuxième, j'en ai donc deux.
Bah oui, mais c'est logique. Deux comme ça, c'est la deuxième, donc identique à la première que je t'ai montrée tout à l'heure. J'adore. Je suis trop fan. Trop fan. Bon, tu vois pas, mais j'aime beaucoup. Bon, bah, j'ai refait un tour du carton pour être sûr de n'avoir rien oublié. C'est déjà inimaginable ce que tu m'as envoyé, ce que j'ai reçu, ce que j'ai la chance d'avoir reçu de ta part. Je suis très, 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 très content. J'ai hâte. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai la pression de tester tout ça. La pigmentation de Morphe, j'ai pas fait de swatch des Yuda. Mais oh, qu'est-ce qu'on va swatcher? On va swatcher pour que ça se voit à côté de lui. On va swatcher le foncé là. Et oh là là. Oh, mais c'est sublime. Bah, ça, c'est plus un topping, je pense. Mais c'est vraiment. Oh, tu vois pas grand-chose, YouTube. Mais laisse-moi te dire, quand en topper, comme ça, ça va être magnifique. L'autre aussi, swatchant. La améthyste. Oh, c'est violet. Non, moi, je veux swatcher le plus foncé. Hein. On est sur quelque chose peut-être d'un peu moins intense, mais qui va très très bien, j'imagine, se travailler. J'ai plus quoi dire. À part une immense reconnaissance, un grand 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 merci. Tu m'avais dit, oui, il n'y a pas assez, c'est tout petit, blablabla. No way. Merci juste du fond du cœur. Merci à toi de me suivre, merci à toi de ta présence et de tout le reste. Je suis très 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 touché. Je te cache pas que je suis très 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 touché. Je vais m'empresser de t'envoyer un petit message tout de suite là pour te remercier. Et puis bah, j'ai été très heureux, YouTube, d'ouvrir ce colis surprise avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me dire en commentaire, encore une fois, si tu connais certains de ces produits, si tu les as déjà essayés, si tu les aimes bien. Il n'y a que du positif ici de toute façon. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Je suis à chaque fois très 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 gêné quand vous êtes quelques-uns quand même à me demander sur Instagram de donner une adresse ou quoi pour m'envoyer quelque chose. La plupart du temps, je refuse parce que ça me gêne en fait, clairement. Mais merci. Après voilà, si vous le voulez, c'est que vous le voulez, mais ça me gêne en tout cas. Donc je suis infiniment reconnaissant et merci, merci du fond du cœur. Et j'ai hâte vraiment d'essayer tout ça. Je te donne donc rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog. Peut-être mercredi, je ne sais plus dans quelle sens on est. Mais en tout cas vendredi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'oublie pas de commenter, de liker et de t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.